Ah, je crois que tu t'as fait flasher là. Come get some. Ok, start, ça c'est facile. Ouais, les gens n'y croient plus, quoi, hein, c'est ça. Après, il y a un système que j'avais vu, c'est système de Condorcet randomisé, là, c'est pas mal, ça. Mm-hmm. Après, pour les gens qui connaissent pas, Google ton ami, bien sûr. Mais là, ça me fait penser un peu au système de d'Étienne Chouard, donc, qui est le tirage au sort, et qui dit, en gros, comme le président est élu au hasard parmi la population, au moins, il y a une petite chance de pas tomber sur un enculé. Enfin, il le formule pas comme ça. c'est pas les termes techniques, parce que lui, il est très gentil, Étienne Chouard. D'ailleurs, moi, si j'étais président, il serait premier ministre directement, quoi. Ouais, voilà. Olivier Delamarche, ministre de l'économie. Que penses-tu de la presse et des médias actuels? Comment ils gèrent? C'est des connards. C'est des connards, c'est des vendus, c'est des collabos. Tous ceux qui étaient en service dans les médias au moment de la guerre de Libye, qui ont menti sur ce qui se passait, qui ont caché le fait que les Noirs se faisaient emprisonner dans des cages et exécuter et qu'on était en train de détruire le pays. Tout cela, pour moi, ils sont coupables de crimes de guerre. Donc je suis contre la peine de mort, mais bon, voilà, ces gens-là, pour moi, ils devraient se retrouver en prison. Y compris Mime. Sarkozy, prison à vie. Mais c'est ce que je disais, le référendum d'initiative citoyenne, là. Populaire. Oui, populaire. Ça permettrait de donner son avis sur toutes les lois, c'est ça? C'est un peu ce que je comme disais. Comme en Suisse. Bah après, en fait, en même temps, t'es président, tu fais des référendums pour des grosses lois, des trucs comme ça et tout, moi je pense que... Donc ça au moins le peuple s'exprime, donc après, bah, si le peuple il est pour, bah... Ouais, parce que en fait là le problème c'est que les lois elles sont décidées par des personnes qui sont censées nous représenter mais qui nous représentent pas finalement. Blow it out your ass. Bon, sans compter la franc-maçonnerie qui évidemment est un lieu de décision des lois qui ne devrait même pas exister quoi, les sectes qui sont entre le peuple et le pouvoir décisionnel voilà, ça devrait pas exister. Mais en ce moment sur les gilets jaunes, est-ce que tu vois des manœuvres un petit peu de... Ah bah par exemple quand au début ils ont commencé à dire que on faisait partie des extrêmes droites, extrêmes gauches, c'est un peu pour décrédibiliser le mouvement, hein. Après les gens ils disent bon bah moi je me reconnais pas dans les extrêmes, donc je me reconnais pas dans les gilets jaunes. Il y a beaucoup de retraités, ouais, voilà. Je pense pas que ça soit après, extrême quoi que après, ce soit. Ils ont vu que ça marchait pas trop, hein, bien sûr avec l'appui des médias, hein, forcément ça marche comme ça. Et donc ils ont pas vu que ça ne marchait pas, parce que finalement, ben, les gilets jaunes, c'est quand même tout le peuple. Alors après, c'est sûr qu'il y a les extrêmes aussi, puisque ça fait partie du peuple. Mais pas que, c'est pas la majorité. Donc voyant que ça marchait pas, que les gens ben, continuent à les soutenir à 75-80% en tout sur les Français, après, ben, ils ont commencé à montrer surtout les casseurs et compagnie. Ouais, forcément, on va après s'en rentrer dans les détails de ceux qui cassent. Mais après, c'est toujours facile de dire, ben, regardez, il y en a... Il y a 1% des gens qui cassent, donc ça représente 100% des gens. Après, par exemple, quand il y a eu l'Arc de Triomphe, hein, ils ont bien montré comment que ça se passait, alors qu'en plus, l'Arc de Triomphe était très très protégé, et puis d'un coup, les casseurs viennent, les CRS s'en vont. Allez-y, genre, allez-y, cassez tout. Ouais, ouais, donc après, c'était très bien pour eux, parce que dans un sens, bah, ils cassent l'Arc de Triomphe, qui est un symbole quand même assez fort en France. Comme ça, ben les gens, ils se désolidarisent du mouvement. Ils se disent, attendez, regardez ce qu'ils font. Par exemple, ils ont dit que les gilets jaunes s'en étaient pris à la tombe du soldat inconnu, alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse. Ils ont protégé la tombe du soldat inconnu. Et ben après, avec la manipulation des images et compagnie, ils ont dit, ben, regardez ce qu'ils ont fait. Comme ça, ben, les gens, ils se disent, non, mais je veux... Les gilets jaunes, c'est n'importe quoi. Bah, de toute façon, on sait que les grands médias appartiennent aux grands patrons, hein. C'est toujours des actionnaires majoritaires. Bah oui, et puis. Lagardère. Puis forcément des amis au gouvernement. I'm gonna kick your ass, bitch. Qui paye les campagnes. Alors, c'est pas parce que je détruis tous mes concurrents avec des roquettes que si j'étais président, je ferais ça. Hein. Ouais, ça c'est ça. Laisse ça aux Américains. C'est ce qu'on dit. Balancer des missiles sur des mecs en fauteuil roulant ou ce genre de trucs, c'est plutôt leur méthode. Mais sinon, alors, qu'est-ce que tu penses de la sécurité routière et, entre autres, les radars C'est vraiment du racketage, pour moi, parce que la première cause de mortalité, c'est l'endormissement au volant. Et je vois pas en quoi les radars empêchent de s'endormir au volant. Au contraire, même. Avec tout ce qui est régulateur de vitesse, c'est tellement ennuyeux, maintenant, de conduire, que les gens s'endorment plus facilement. Même. Et puis, bon, en roulant à 30 km/h... C'est pas moi qui avais dit ça en premier, c'était Alain Prost, donc c'est quand même quelqu'un de
un minimum respectable, je pense. Game over. Game over. Parce que j'ai pas roulé assez vite. J'avais peur de me faire flasher, c'est tout. Je te comprends, je te comprends. Là, t'as déjà perdu tellement de points que... Alors ouais, moi ce que j'ai remarqué, c'est que le système cherchait à désigner un leader pour les gilets jaunes, et en général un mec que le système a bien choisi et qui permettrait de manipuler le mouvement. Hail to the king, baby. Certains gilets jaunes, d'ailleurs qui étaient invités dans les médias, souvent, bizarrement, c'était soit des militants de LRM. Ouais, d'accord, ouais. Là-bas, c'était la République en marche, mais bon, je pense que maintenant, ils devraient le plus le renommer la Révolution en marche. Ouais. Et donc, finalement, c'était des représentants de eux, donc forcément, bah, après, ils disent ce qu'ils veulent. Ouais, j'ai promis. Ouais, mais c'est le niveau 1, de notre côté. Ah. Et au niveau des partis politiques, qu'est-ce que tu penses des partis politiques? Est-ce qu'ils ont encore un intérêt? Est-ce que il y en a qui peuvent faire quelque chose? Ou est-ce que il faut arrêter de... Bah après, sur les, tous les grands partis, bah, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit. Hein, ils se disent tous différents, mais on voit que finalement, ils font la même politique depuis 40 ans, alors qu'on est passé à droite et à gauche, dans tous les sens, au milieu, et finalement, on voit, c'est toujours la même chose. Get that crap out of here. Après, ce qu'eux, ils veulent, qu'ils soient de droite ou gauche, c'est nous vendre l'Europe. Hein. C'est vendre l'État français, la souveraineté française. No way, I'm eating this shit. Bon, Macron, il fait le beau, hein, il fait genre, c'est moi le président, mais bon, c'est qu'une marionnette, on le sait tous. Tout ce que lui fait, c'est ce que Bruxelles lui demande. Donc aujourd'hui, que ce soit lui ou les autres grands partis, c'est tous pareil. Donc après, forcément, il ne représente plus. D'ailleurs, le peuple français commence à se rendre compte, hein, petit à petit. Oui, on sent une légère frustration quand même là. En on ce sent moment, que, hein. Ouais, je sais pas que, si ils ont remarqué, mais il y a une insatisfaction là. J'ai l'impression que ils sont pas très appréciés. D'ailleurs, on le voit, hein, le mouvement des Gilets jaunes est apolitique, hein, c'est-à-dire que aucun parti politique n'est représenté. D'ailleurs, on a vu aussi aucun drapeau de aucun syndicat, hein, parce que de toute façon, dès qu'ils arrivent dans les manifestations, ils se font jeter. Parce que pareil, les gens, ils ont un peu compris que les syndicats ne représentent pas forcément, étant donné que chaque année, ils reçoivent des subventions de l'État. Donc forcément, quand on reçoit de l'argent de quelqu'un, qu'est-ce que tu veux être contre cette personne-là? Shake ils ont it, passé baby. Leur temps à laisser l'État tout détruire et toutes les entreprises faire faillite, délocaliser. Et le 4, je suis premier. Alors, l'efficacité du mouvement actuellement des Gilets jaunes, est-ce que tu penses qu'il faudrait quand même aller plus vers une grève générale ou vers bloquer les organismes, les bâtiments en ville qui représentent un peu l'État ou la collecte d'impôts ou... Ah bah après, oui, parce que bloquer les autres citoyens, c'est pas forcément la meilleure solution. Hein, c'est sûr que après, c'est bien d'être là et de représenter. Mais après, ouais, c'est mieux de bloquer genre les institutions. Sans des impôts ou les radars, hein, comme ils ont fait, ça c'est une très bonne idée, ouais. Dans le sens où Let's rock. Voilà, moi, ils se rendent compte que un petit peu moins de pognon qui rentre grâce à nous, hein, un peu comme si on n'était pas là. Ouais, parce que c'est du racketage tout ça, hein. Quand on commence à accumuler toutes les nouvelles taxes, les radars, les assurances qui sont de connivence avec les banques et... Mais par exemple, bloquer la bourse, ça peut être une bonne idée. Hein, tu bloques la bourse... Forcément, là, il y a un pognon qui rentre plus. Quand on touche au portefeuille, généralement, les gens réfléchissent beaucoup plus vite. Alors qu'il faut vraiment regrouper tout le monde, d'ailleurs, hein, les extrêmes gauche et droite. C'est une des choses que craint le système, je pense, c'est que ces deux extrêmes se réunissent et commencent à faire la moyenne des deux et à se calmer sur certains aspects exagérés ou immoraux. On a vu quelques manips comme ça, hein, de faire croire que les gilets jaunes, c'était tous des racistes ou... Ce genre de choses. Oui, on l'avait vu déjà dans d'autres manifestations. Hein. On avait fait une, je ne sais pas si tu te souviens, en 2014, c'était Jour de colère. Oui. Il y avait des milliers de personnes à Paris. Et quand on regardait les médias, c'est des extrêmes. Donc nous, on était d'extrême droite, apparemment. Après, c'est aussi maintenant, aujourd'hui, grande facilité, c'est dès que tu contestes, c'est de dire que tu es complotiste. C'est blow ça, it out your ass. Dire, c'est. Tu penses comme ça, c'est que. Oui. Hein, t'es un complotiste, hein, donc après, il faudra redéfinir les termes de ça, parce que c'est tellement un fourre-tout que... Ouais, après, quand on voit tout ce qui est think tank, l'automobile club à Paris, où se réunissent les politiques, les journalistes, les grands patrons...
hein, comme le Est-ce Bilderberg. Que c'est pas un petit complot quand même contre le peuple, ça Parce qu'en plus, c'est surtout que ils se réunissent, mais ils ne nous disent pas ce qu'ils se font, de quoi ils parlent. C'est comme la franc-maçonnerie, oui, c'est le culte du secret. Donc, c'est vrai qu'après, bah, forcément, c'est un peu normal qu'on se demande bah, qu'est-ce que vous vous racontez, les gars. Ouais. Bah, d'ailleurs, toi, tu ne nous as pas dit si tu étais président, tu ferais quoi? Je pense que je donnerais des papiers à ceux qui n'en ont pas pour éviter qu'il y ait une pression sur les salaires à la baisse. Et je fermerai quand même les frontières jusqu'à ce qu'il y ait plein emploi. Ah, ça, je suis plutôt d'accord. Parce que les grands patrons utilisent l'afflux de personnes qui travaillent gratuitement ou avec des salaires très faibles au noir pour faire baisser les salaires en général. Puis avoir vraiment de la main d'œuvre à bas coût, quoi. Ou comme les travailleurs... Ça s'appelle le dumping social. What a mess. Après, c'est sûr que... Le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire que chaque nouvelle loi, je mettrai chez chaque personne une carte. Chaque personne aurait une carte, en fait, pour dire ce qu'elle pense de la loi et recevrait les documents de la loi qui va être votée, que le peuple puisse décider sur chaque loi. Damn, I'm good. Ça me paraît être la base d'une vraie démocratie. Ben oui, quand même, oui. Parce qu'en fait, oui, aujourd'hui, c'est un peu le problème. Et, mais d'ailleurs, certains policiers, certains CRS l'ont refusé cette prime, en disant, en gros, vous nous prenez pour des putes. Parce qu'en plus, ça fait des années qu'ils demandaient une augmentation, et là, ils la donnent quand ils tapent sur des gens. Donc, voilà. Et surtout que eux, c'est protéger et servir, hein, C'est pas enculer et casser la gueule. Voilà. Cool. Après, hein, forcément, il y en a qui sont un peu, justement, qui font du zèle, donc ceux-là, bon, ils vont être en premier rang dans les manifs. Par contre, bon, bah, ceux qui sont un peu contre tout ça et tout, bon, bah, le jour-là, ils vont mettre en repos. Il faudrait pas qu'il commence à enlever son casque et rejoindre le peuple. Ouais. Ça, c'est ce qu'on attend quand même, parce que c'est quand même le peuple aussi, quoi, hein, les mecs qui travaillent. Ah, c'est ça, puis même que ce soit les policiers ou même l'armée, hein, eux aussi, ils sont un peu pris à la gorge. Hein, ils sont pas non plus hyper bien payés, et en plus, bah, eux aussi, ils sont taxés de tous les côtés. Donc, bah, un jour, ils diront peut-être tout haut ce qu'ils pensent déjà tout bas, parce que forcément, hein, ils vivent comme nous, hein, ils payent comme nous. En plus, l'avantage de la désobéissance civile, c'est qu'elle est pacifique. Damn, that was annoying. Parce qu'après, mettre un pays à feu à sang pour avoir quelque chose, c'est pas forcément la bonne solution. Oui, la guerre civile, c'est vraiment un affaiblissement du pays, c'est quand même pas idéal. Et puis surtout que la guerre civile, c'est surtout le peuple qui trinque, hein. C'est pas les élus, eux, ou les nantis, les riches. Hein, eux, ils ont déjà leur petit bunker où il suffit qu'ils prennent leur hélico ou leur Falcon privé pour partir où c'est plus calme. Mais si vous essayez de prendre le train juste avant la manif, ils les annulent. Les samedis, là, c'est même pas la peine. Puis connaissant la SNCF, un jour, vous allez prendre le train et vous allez vous réveiller à Auschwitz, vous n'allez pas comprendre. Ouais. What are you waiting for? Christmas?